Chatelia, je vous ai demandé de bien vouloir réfléchir aux auteurs, écrivains qui sont importants pour vous, votre panthéon littéraire, les écrivains qui vous accompagnent depuis toujours, dans votre parcours de jeune fille, de femme, d'écrivaine. C'est à vous. Eh bien, mon panthéon littéraire, il est très classique. J'ai beaucoup lu adolescente. J'ai peut-être commencé par les sœurs Brontë, j'y pense, là, ou Jane Austen, les romans anglais, qui m'ont ensuite mené aux romans du 19e français. Donc là, il est certain que je suis très, très inspiré par Balzac. J'ai même failli écrire une thèse sur Balzac. Et donc j'ai lu et fiché l'intégralité de la comédie humaine, ce qui est un plaisir en soi. Balzac, il est très important. Quand j'écris, je pense extrêmement souvent à lui et je pense à des scènes, parce qu'il est très fort pour créer des ruptures comme ça dans ses romans. Ses romans sont jamais ennuyeux, je trouve, puisqu'il arrive à faire des transitions comme ça entre des descriptions extrêmement longues, on le sait, et c'est ce qui lui est reproché, et puis des scènes d'action, mais très puissantes. Donc Balzac, il m'accompagne toujours. J'aime évidemment Flaubert, enfin bon, tous les classiques du 19e, Proust évidemment, que j'ai lu et relu. Je l'ai découvert en première grâce à une prof de lettres formidable qui m'a donné envie de le lire. Après, je l'ai lu à toutes les terrasses de café, je l'ai écouté en audio. Les audiobooks de Proust sont exceptionnels, lus par Guillaume Callienne, enfin par les plus grands comédiens. Et lui aussi, évidemment, bah, donc. Juste pour même pour la scène inaugurale de La Fabrique des Souvenirs, il était à mes côtés avec Balzac. Puisque si on se souvient du début du Lys dans la vallée, le héros a envie aussi de mordre la nuque de la femme assise devant lui. Donc ce sont des auteurs qui me nourrissent, en fait. Je ne vis pas sans eux. Et quand parfois il m'arrive d'avoir, je sais pas, des blocages ou une scène à décrire que je ne sais pas bien comment la faire, je me replonge dans un de mes romans classiques et puis je trouve la solution. Même La peau de chagrin, alors que ce n'est pas mon préféré de Balzac, mais je l'ai relu beaucoup pour écrire La Fabrique des souvenirs parce qu'il décrit très très bien les fêtes dans La peau de chagrin, Balzac. Et j'ai deux ou trois passages de fêtes dans ce roman. Donc oui, les auteurs classiques, ils m'accompagnent. Ça, c'est certain. Mais je n'ai pas parlé de Dostoïevski, de Tolstoï, enfin, de toutes les nationalités, mais essentiellement du 19e et du 20e siècle. Dans la littérature plus récente, vous avez eu des coups de cœur ou des... Là, j'ai de la chance, parce que ce n'est pas de la littérature plus récente, pardon, mais j'y pense. Je suis en train de découvrir des auteurs que je n'avais pas encore lus. Mais j'ai découvert Dos Passos pour décrire le New York, tel que Magnifique. je voulais le décrire. Mais quel bonheur de le découvrir aujourd'hui. Je suis vraiment contente quand je découvre. Et là, je suis en train de découvrir Echnoz, que j'ai jamais lu, je sais absolument pas pourquoi. Et qui est absolument, c'est vraiment un Un auteur très grand. d'une force incroyable. Et dans les romans contemporains, bah, j'en lis aussi beaucoup. À quoi j'ai pensé? J'aime bien les histoires, quoi. J'ai l'impression que l'histoire mêlée au style, c'est ce que je préfère, le romanesque en fait. Donc j'aime Guénatia, chez Albin Michel, là, qui vient de sortir Les Terres Promises, la suite du Club des Incorrigibles Optimistes, et vraiment je vous le conseille. Mais j'ai eu la chance de l'interviewer. Ah, Ça c'est y est, il est merveilleux. déjà sur mon compte Instagram. Bah, Et bravo, il est absolument on charmant, est la mais même vie. lui aussi, il porte vraiment il a Mais un romanesque. c'est C'est superbe, c'est une super. fresque, C'est on se super. Ouais. promène. Et donc j'aime les livres comme ça, j'aime aussi Luca di Fulvio, je sais pas si vous l'avez Ah, lu. si, bien sûr. Bah oui. Et Bon, très sympathique aussi, il est très comme. Ouais. sympathique aussi. Luca di Ouais, je sais Fulvio, pas. il y a un univers romanesque Mais extraordinaire. oui, c'est ça. Et donc, c'est des belles histoires. J'aime toutes les belles histoires. Bien écrites, évidemment, quand même. Merci beaucoup.